Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique judiciaire liée à la thématique de la semaine, la peur des fantômes. Alors, l'actu est très fournie puisque cette semaine, on a découvert que un agresseur sexuel avait été arrêté parce qu'il a agressé une jeune femme de 24 ans, qui se trouvait à la célèbre fête foraine de Saint-Germain-en-Laye. Et donc voilà, cet individu s'était masqué en clown, voilà, dans le train fantôme. Et le but de son action, attention, accrochez-vous, lui toucher la poitrine. Donc bon, c'est pitoyable, on ne peut pas le dire autrement. Mais donc l'actualité, voyez-vous, les fantômes et la chronique judiciaire, des fois ça donne lieu à des mélanges auxquels on ne s'attendait pas. Alors, cette semaine, en chronique judiciaire, moi je vais vous raconter une histoire qui a pas mal défrayé la chronique. C'est l'affaire dite du fantôme de Heilbronn. L'affaire du fantôme d'Heilbronn, donc je vous mets un lien Wikipédia qui résume très bien l'affaire, dont je vais beaucoup m'inspirer là. Je vais vous lire un peu ce qui s'est passé. Là, c'est pas moi qui ai vraiment écrit cette chronique, je lis Wikipédia, je vous le dis tout de suite avec honnêteté, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Puis bon, c'est les vacances, donc on a tendance à peut-être un peu moins être toujours sur nos projets. Donc l'affaire du fantôme dite de Heilbronn est une série de crimes et délits liés entre eux par des analyses ADN. Ces analyses ADN suggérant à chaque fois l'implication de la même femme. Donc ces crimes se sont déroulés principalement en Allemagne, en Autriche, et le premier meurtre connu, pardon, date de 1993 et les derniers en 2008. L'explication de cette affaire, c'est le nom déjà, il nous rappelle un peu pourquoi on appelle l'affaire du fantôme de Heilbronn. C'est une ville qui se situe dans le Bade-Württemberg, pardon, où une jeune policière a été tuée malheureusement d'une balle en pleine tête. C'est un meurtre de sang-froid, apparemment gratuit, qui avait ému l'Allemagne. Donc, on va retrouver des traces ADN sur ce lieu de crime-là. Mais on va retrouver le même ADN sur d'autres lieux de crime. On est donc face à une enquête qui va mobiliser 100 policiers en Allemagne et en Autriche, 1400 pistes différentes suivies et 2400 vérifications ADN pratiquées. Selon le journal Bild du mars 2019, c'est la plus grande énigme criminelle de l'histoire, puisque effectivement on ne comprend pas.
Et les policiers allemands s'y réfèrent sous le sigle UWP, Unbekannte weibliche Person, c'est-à-dire personne de sexe féminin inconnu. C'est tout ce que l'ADN peut leur dire. Donc finalement, quel est le dénouement de cette affaire? C'est que l'ADN prélevé sur les scènes de crime était supposé être celui d'une tueuse en série redoutable, que nenni, en réalité c'était une employée de l'entreprise qui fabriquait les écouvillons pour les prélèvements ADN, justement. Donc c'est un petit peu ballot, j'ai envie de dire. On va faire encore des tests et les tests vont révéler que les bâtonnets qui n'ont pas encore été utilisés par les services de police portaient également cet ADN-là. Après, les questions que l'on se pose quand on entend une histoire comme ça, c'est quand même incroyable. Bah, la question qu'on se pose, c'est bah, comment se fait-il que les employés des usines fabriquant les écouvillons pour les prélèvements touchent les écouvillons. Enfin, moi, j'imaginais plus ça dans une usine, en fait, où les gens gèrent un petit peu leur partie de la chaîne de production, mais qui ne touchaient pas particulièrement le résultat de la production, en fait, surtout dans les circonstances liées à du matériel médical. Donc ça, si vous avez des infos, des réponses ou des scoops à ce sujet, n'hésitez pas à vous manifester, non pas comme un fantôme qui rentrerait dans ma maison la nuit, mais dans les commentaires, toujours avec respect et bienveillance, je vous remercie. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt!